Bonjour, bon, merci de nous rejoindre pour ce live spécial aujourd'hui. Donc, cette émission spéciale des Vendredis de la Recherche qui est aujourd'hui dédiée au Forum RESNUC, édition 2024. Donc, une émission spéciale, on va parler du forum, de l'organisation, mais aussi des organisateurs, des organisatrices qui sont avec nous aujourd'hui. Et je reçois trois étudiants et étudiantes organisatrices et organisateurs du forum. On va commencer par faire un petit tour de table. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Alors, Kevin. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Buron-Fosse. Donc, je suis également le délégué de la promo des M2 RESNUC. Et maintenant, ça fait pile le M1 et en fait qu'on a fait stage de fin d'année. Et là, on est en alternance. Très bien. Océane. Enchantée, donc Océane Lepage. Comme Kevin, je suis là depuis le Master 1 et... Voilà. Et Nasser. Du coup, bonjour Samantha, salut le chat. Alors moi c'est Nasser Messaoudi, étudiant en master de RESNUC, tout comme mes camarades et organisateur du forum avec mes deux camarades et trois autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Alors on va faire comme avec les émissions habituelles, entretien avec un chercheur ou une chercheuse. Et je vais vous demander en premier de m'expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé dans ce master et quel est votre parcours depuis le lycée, le type de bac et puis pour la suite. Alors je vais commencer par Nasser. Alors du coup moi le bac, j'ai fait un bac scientifique option SVT à Nîmes au lycée Albert Camus. Donc je suis de Nîmes à la base. Ensuite j'ai intégré la licence biologie NN du coup à l'université et j'ai choisi de me spécialiser en environnement. Donc j'ai pris le parcours environnement en L2. Donc L d'environnement, L3 en environnement, et c'est là que j'ai eu à choisir un master, et j'avais déjà trouvé le master RESNUC en L1, et j'avais fait des recherches dessus, j'avais même contacté Madame Técher qui gère le master, et petit à petit j'ai essayé de voir ce que ça m'intéressait, et c'est sur quoi je me suis axé, et c'est ce master RESNUC. Donc master RESNUC, on a fait un stage, moi mon stage je l'ai fait à Montero, qui est une entreprise qui intervient dans la soudure dans le nucléaire. Et cette année, du coup, pour le Master 2, mon alternance, je l'ai fait à Orano, à Tricastin. Donc, c'est sur la ville de Pierrelatte. Et c'est sur quoi ton stage, alors? Oui, justement. Du coup, moi, j'ai pour mission la gestion des déchets radioactifs. Donc, les principaux déchets dont j'aurai à faire, c'est les déchets inertes et les terres excavées. Les quoi? Donc, les déchets inertes, c'est les déchets qui ne bougent pas dans l'environnement, qui n'ont aucune réaction, qui, du coup, n'ont aucun impact, si ce n'est leur volume qui est assez élevé. Et les terres excavées, donc c'est la première partie de la terre qu'on va retirer lors d'un chantier. Donc ça peut être des terres qui seront contaminées. Donc on doit analyser ces terres et choisir un exutoire. Donc moi je vais intervenir dans ça et notamment dans la rédaction de directives ou de protocoles reliés à ces différents déchets. Et donc il y a un exutoire, alors c'est quoi? Un exutoire, c'est l'endroit où on va stocker nos déchets. Donc par exemple pour les déchets inertes, on va pouvoir les mettre dans des installations de stockage. Ouais. Pour... imaginons les déchets d'autres activités qui sont produits dans les centrales nucléaires, ça pourrait être dans des endroits comme Cigéo, donc c'est un centre de stockage profond. Un exutoire, ça peut aussi être par exemple un incinérateur. C'est vraiment l'endroit où on va éliminer nos déchets. D'accord, très bien. Alors voilà, je vais vous poser plein de questions bizarres comme ça, qui vont sembler bizarres, mais on va essayer de comprendre un petit peu sur quoi vous travaillez. Donc, Océane, alors, ton parcours. Moi, du coup, j'ai fait un bac SSVT, option physique-chimie. Après, je voulais faire de l'océanographie, donc je suis partie en licence sciences de la Terre à La Rochelle. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait. Donc, avec tous les cours que j'ai eus en licence, je me suis rendu compte que le réchauffement climatique, ce genre de choses, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient beaucoup. Donc, avec ma réflexion, je me suis dit que le nucléaire, ça pouvait être une solution à... court, moyen terme, qui pourrait être intéressante. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché des masters du coup, dans le nucléaire. Et voilà, j'ai trouvé le master de Nîmes. Il me semblait très intéressant parce qu'il y a à la fois de l'environnement et du nucléaire. Donc, ça cumulait des choses que j'avais déjà un peu faites et toute la partie nucléaire qui était nouvelle pour moi. Et du coup, je trouvais ça plutôt... Je trouvais ça vraiment bien. Et donc, le master, il est en alternance en M2, c'est ça? C'est ça. Et donc toi, tu travailles dans quelle entreprise? Alors moi, je travaille du coup à Tractebel, c'est une filiale d'Engie. Et du coup, dans la partie nucléaire de l'activité, on fait des projets pour EDF.
Donc, tous les 10 ans, il y a des visites décennales. Donc, en fait, c'est une visite des centrales nucléaires où on va, on va faire une révision de la centrale. Donc, s'assurer que les normes, enfin les nouvelles normes sont respectées, ce genre de choses. Et du coup, il va parfois y avoir des modifications à faire. Donc, moi, je vais m'occuper, du coup, dans mon entreprise, de regarder quelle est la modification à faire et les différentes solutions, du coup, pour apporter ces modifications et dérouler, du coup, tout le procédé, du coup, de la modification jusqu'à sa réalisation sur site. Voilà. D'accord. Et Kevin, alors, toi, ton parcours ? Alors, du coup, moi, j'ai fait une licence. J'étais au niveau du lycée, j'étais dans l'Aisne. Donc, je suis de Picardie. J'ai fait une terminale, en fait, S, option SVT. Après ça, je me suis orienté sur une année de PACES, où j'ai voulu faire suite. En fait, je faisais énormément de basket et j'avais déjà un peu des formations de kinésithérapie. Et du coup, je voulais partir en kiné. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, les cours, la façon qu'ils sont dispensés, tout ça, ça ne me correspondait pas. Du coup, je me suis réorienté en licence sciences de la vie. Et en L2, je me suis spécialisé donc, dans l'option environnement. Et tout en même temps, en fait, je regarde énormément l'actualité sur les nouvelles énergies, des choses comme ça. Et du coup, je me suis intéressé de plus en plus dans le nucléaire. Et j'ai justement découvert en même temps le master SNUC de l'Université de Nîmes, où du coup maintenant je suis actuellement. Donc dans mon parcours M1, j'ai fait donc un stage. Et donc mon stage et mon alternance, je suis chez Sofren Group, donc au BI de Marseille. Donc BI, c'est bureau d'ingénierie. D'accord. Et donc je fais des études de sûreté de fonctionnement nucléaire. Donc je travaille exclusivement sur les réacteurs actuellement en service. Et donc là, par rapport à mon stage, j'ai travaillé sur une mise à jour de base de données d'équipement en fonction des agressions qui soient internes ou externes au site sur les réacteurs de 900 MW. Après, j'ai travaillé sur des notes d'analyse d'agression, cela sur les réacteurs de 1300 MW et plus particulièrement sur les agressions donc canicule et grand froid. Et là, en alternance, je travaille sur donc les réacteurs les plus puissants actuellement en service, qui sont les 1450 MW électriques. Et là, je travaille sur la déclinaison des équipements en fonction des systèmes de sauvegarde de la centrale. D'accord. Voilà. Très bien. Ça donne une idée un petit peu des différents postes que vous pouvez avoir avec ce type de master. En tout cas, vous avez vos fans dans le chat. Hein. On a Zeko qui nous dit « T'es beau, Nasser ». D'accord, Zeko, merci. On a T1, Lisa Lastelli qui nous dit « Coucou l'équipe de BG ». Là. Et on a Baptiste 84-124 qui nous dit « Bonjour à tous ». On remercie Zeko pour son follow. Très bien, on a des spectateurs, donc c'est bien. Donc du coup, on va parler de cette formation. On va parler un petit peu de l'action pédagogique qui consiste à organiser ce forum. Donc là, c'est le 10e forum RESNUC. La thématique, c'est notre quotidien avec le nucléaire, défis d'aujourd'hui et exploits de demain. Alors comment c'est l'organisation de cet événement ? C'est un événement important. S'intègre dans votre cursus. On va commencer peut-être par Kevin. Alors, Kevin, toi, tu es délégué des étudiants de la promo. Tout à fait. Comment cette... Pourquoi... Voilà, la question toute bête, c'est pourquoi vous êtes des organisateurs ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est un choix ? Et comment ça s'intègre dans l'évaluation de votre formation ? D'accord. Donc, en fait, c'est un choix. Donc, au début de la formation de M2, on était 8 à vouloir justement être organisateur du forum. Donc là, nos enseignants ont fait des entretiens avec nous 8. Et après, on a été donc 6 retenus pour cette organisation du 10e forum. Et en fait, ça intègre dans notre cursus au niveau de... On est noté sur l'organisation du forum. Et après, on aura un retour d'expérience à faire d'une 60aine de pages où également on sera évalué dessus. Donc ça rentre dans notre parcours. Et également sur les autres étudiants du master, donc les M1 et les M2, ils ont été évalués sur le poster qu'ils ont fait justement pour le forum. Donc là, ils ont eu leur notation en amont. Et là, ils vont avoir une notation durant le forum par un jury d'experts dans le milieu nucléaire. Très bien. Donc c'est une pratique, ça fait partie de la vie d'un chercheur et d'un ingénieur de présenter ses travaux.
Donc, cette exposition de posters, elle aura lieu où ? Où est-ce qu'on pourra voir ça ? Alors, il aura lieu le mercredi 7 février sur le site de Hoche à partir de 13h30 jusqu'à 17h, où justement, il y aura un double jury en parallèle, parce que cette année, il y a 34 posters, ce qui est relativement énorme. D'habitude, ça tourne plutôt autour d'une vingtaine de posters. D'accord. Donc là, en tout, il va y avoir 8 membres du jury qui sont divisés en deux groupes de 4. Et le jury, c'est des personnes qui travaillent chez EDF, une personne de l'ASN, donc l'ASN c'est la Haute Autorité de Sûreté Nucléaire, une personne de l'INSTN qui est partenaire de notre master pour la formation. Il y a également des personnes du CEA de Marcoule et de Cadarache. Et après une personne qui a travaillé sur la création de l'EPR de Flamanville. Donc c'est vraiment un panel de personnes qui ont énormément de connaissances dans le milieu. Oui, il faut le préciser, ce forum, il a aussi pour but, enfin il va vers le grand public, hein, donc tout est ouvert au grand public, sauf exceptionnellement certaines manifestations qui sont pour les étudiants directement, mais sinon tout est ouvert au public, donc l'exposition de posters, elle est accessible pour tout le monde. Et donc organiser un événement de la sorte, c'est aussi être en contact avec les professionnels, justement, tous ceux que tu citais, qui interviennent, plus ceux qui interviennent à la conférence, je pense. Donc vous avez été en contact avec ces professionnels-là pour organiser l'événement, peut-être oui. Aussi. En effet, on a été en contact avec beaucoup de professionnels. Donc, comme vous l'avez dit, on a du coup des jurys de professionnels pour évaluer les posters. Également, des professionnels qui viennent présenter des conférences. Mais aussi, on organise un job dating pour les étudiants, pour du coup les aider à chercher des stages, des alternances. Et pour nous, en deuxième année de master, éventuellement des CDI. Du coup, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de contacter énormément de gens du domaine, et c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante, je trouve. Oui. Donc, tout à l'heure, Nasser, tu disais, je ne sais plus si c'était toi, Kevin, qui disais ça, que dans ce master-là, on n'allait pas chercher après du travail, que c'était les professionnels qui venaient vous chercher pour vous recruter. Hein. Là, vous êtes déjà dans un milieu professionnel, vous êtes déjà en relation avec les professionnels. Donc là, tu penses que tu as le réseau autour de professionnels pour l'après-diplôme ? Alors du coup, déjà, on a le stage et l'alternance qui nous permettent de rentrer dans le domaine professionnel et de commencer à nous faire un réseau. Il y a beaucoup de stages et d'alternances qui se poursuivent en CDI à la fin du master. Donc déjà là, ça commence à être une première solution. Deuxièmement, les entreprises elles-mêmes nous demandent de participer au job dating. C'est elles-mêmes qui sont demandeuses de proposer des CDI, des stages, des alternances. Ah oui. C'est-à-dire le job dating, c'est les entreprises sont là à l'affût, elles recherchent des profils en fait. Pas plus tard qu'hier, on a eu une nouvelle entreprise qui voulait participer au job dating qu'on ne connaissait pas. C'est un domaine vraiment embaucheur, le nucléaire. Notamment là, on le voit avec les récentes annonces du président, du premier ministre. C'est un domaine qui va être de plus en plus important et qui va avoir besoin de plus en plus de personnel, et donc de personnel qualifié notamment. Donc c'est un master vraiment tout indiqué pour poursuivre en CDI dans un domaine qui embauche. Là, vous êtes combien dans la promo ? Dans la promo, cette année officiellement, on est 25 en M2 et en M1, il y a 16 étudiants. D'accord. Et pour rebondir un peu sur ce que Nasser disait, là, cette année, pour les job dating, on est monté à une vingtaine d'entreprises qui nous ont contactés pour pouvoir faire les job dating, en sachant que d'habitude, c'est plutôt une dizaine d'entreprises qui viennent. Donc là, cette année, vraiment, il y a énormément d'entreprises qui nous contactent. Cette semaine, ben, comme Nasser l'a souligné, hier, on a encore eu une entreprise à contacter, mais depuis le début de la semaine, on est à 3-4 entreprises en plus qui nous contactent, qu'on ne connaissait pas dans le secteur. Ah oui, donc il y a vraiment un élan là, on sent que le nucléaire, ça va être dans les 20 derniers qui viennent. Voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup à faire pour le nucléaire. Donc dans différents métiers, hein, on a vu dans vos différentes missions actuelles que ça peut être à plein de niveaux différents, mais vous développez en fait une expertise au service de l'activité en fait. Vous êtes une sorte de consultant de terrain, c'est ça ? Tout à fait. Après, ce qui a l'avantage avec notre master, c'est qu'en fait, on a un panel au niveau du nucléaire qui est très important. Comme Nasser le souligne, lui travaille dans un peu la gestion des déchets. Avec Océane, on travaille plutôt sur les réacteurs actuellement en service avec les visites décennales et autres. Mais il y a également le CEA qui ont énormément d'installations nucléaires de base ou de base secrète.
qui justement font de la recherche ou alors qui sont en démantèlement. Il y a également, cette année au forum, il y a l'armée qui vient, donc qui est le CID, qui vont venir justement pour des ingénieurs sûreté nucléaire sur leur base de Toulon et de Brest pour la gestion des bâtiments qui vont entreposer justement le combustible des sous-marins et du porte-avions. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un panel qui est très très large au niveau du nucléaire, et en sachant que le master, on peut aussi travailler dans le risque environnemental appliqué au nucléaire ou à d'autres installations chimiques ou autres. Oui. Donc c'est vraiment très un panel très vaste. Oui, et c'est une formation adaptée au territoire, puisque le territoire autour du Gard est très investi dans le nucléaire. On va parler un peu plus de l'événement lui-même, du programme de l'événement. C'est du 6 au 8 février. Quel serait l'événement phare? Alors, il y a la grande conférence, peut-être Nasser, je vais te laisser nous parler de la grande conférence. Alors, du coup, la grande conférence, c'est la conférence d'ouverture qui a lieu le 6 février, donc sur le site de Vauban, à 18h45. À 18h, il y a un discours d'ouverture et la conférence débutera à 18h45. Donc, cette conférence, elle sera conduite par un expert de l'ASN et elle portera notamment sur les SMR, Small Modular Reactors. Et en gros, c'est une nouvelle technologie qui pourra être utilisée pour produire de l'énergie dans la filière nucléaire. Et donc, les SMR sont à l'étude en France. L'autorité de sûreté est en train de valider les différents projets d'SMR et on aura donc un expert sur ce domaine-là et une personne qui a une parole très importante dans cette nouvelle discipline de la sûreté nucléaire. Du coup. D'accord, très bien. Et donc cette conférence, on répète, c'est ouvert au grand public, à tous les professionnels autour de la filière du nucléaire, mais aussi au grand public. C'est ça. Toutes les conférences qui sont organisées durant le forum sont ouvertes au grand public. Et on essaye même d'aller vers ça. Donc on essaye de sortir un peu du côté très technique des conférences, surtout pour certaines conférences qui auront lieu jeudi. Elles sont vraiment plus abordables au public. Elles demandent beaucoup moins de bagages scientifiques pour pouvoir assumer et découvrir la conférence. D'accord. Et c'est pareil pour les posters. Je crois que les étudiants expliquent leurs posters. Ce n'est pas une simple exposition, c'est une présentation. Non, tout à fait. Il y a le concours justement devant le jury où ça va porter justement où ils vont présenter leurs posters en une minute. Et après, le jury va leur poser une question entre 5 à 10 minutes à peu près. Donc, c'est assez technique parce que c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut résumer tout son poster en une seule minute. Donc, c'est assez condensé. Il faut bien connaître son poster pour les questions derrière. Donc, c'est un sacré challenge. Oui, et puis c'est un exercice professionnel très, très utile. Tout à fait. Après, très utile pour la vie professionnelle. Alors, on va parler plus de la thématique. Notre quotidien avec le nucléaire. Alors, c'est un aspect directement en lien avec le grand public. Défi d'aujourd'hui, exploit de demain. Pourquoi ce titre alors? On a dit que l'actualité du nucléaire, elle était très prégnante, mais pourquoi ce titre-là? Eh bien, justement, à la base, on s'était dit qu'il y avait une grosse relance du nucléaire, que c'était un domaine dont on parlait de plus en plus dans les médias. Et il y a toujours, malgré tout, une image assez contrastée. Il y a des gens qui sont vraiment pro-nucléaire, des gens qui sont vraiment anti-nucléaire. Et c'est vrai qu'on voulait un peu communiquer, en fait, autour de cette idée. Aussi, peut-être expliquer à des gens qui ne le savent pas que le nucléaire, ce n'est pas seulement les centrales, qu'il y a énormément d'autres choses autour. Par exemple, le nucléaire est très utilisé dans le domaine médical pour faire des radios ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est utilisé pour plein d'applications de la vie quotidienne auxquelles on ne pense pas forcément et on voulait vraiment communiquer autour de ça et parler des innovations, de où on en est aujourd'hui et de toutes les évolutions qui sont en train de se mettre en place, par exemple avec les nouveaux types de réacteurs. Donc Nasser en a parlé, du coup on fait une conférence sur les SMR, du coup le mardi soir, mais le mercredi soir on fait une conférence du coup avec tout plein de nouvelles technologies de réacteurs, donc le réacteur à fusion ITER, également les réacteurs EPR, donc c'est le réacteur de Flamanville, donc qui est une nouvelle génération de réacteurs et qui est en train de se mettre en marche, et on voulait vraiment communiquer autour de toute cette actualité et essayer de faire que les gens se sentent concernés aussi. Parce qu'on voulait, pour cette 10e édition anniversaire,
accueillir du public et vraiment que ce soit un échange entre étudiants, professionnels, mais aussi le monsieur tout le monde aussi. Ouais, aller au-delà du débat pour, contre le nucléaire qu'on dépasse pour parler vraiment de ce qu'apporte le nucléaire dans la vie quotidienne du public le mettre en lien avec les aspects scientifiques et les aspects peut-être du progrès du nucléaire à venir, puisque là vous parlez de la centrale de Flamanville. Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public de la centrale de Flamanville? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Pourquoi parler de la centrale de Flamanville? On parle un peu de la centrale de Flamanville parce que ça fait un peu débat, parce qu'il y a énormément de retard sur sa construction. Il faut savoir qu'il y a dans le monde, il n'y aura que 3 réacteurs de mémoire ou 3 sites qui vont accueillir cette technologie de PR1. Justement, c'est pour ça qu'on veut justement. C'est une technologie française. C'est une technologie tout à fait qui est française et justement qui a déjà évolué parce que maintenant on est passé sur les EPR de deuxième génération et d'où aussi on a une conférence dessus avec les futures implantations en France et potentiellement à l'étranger aussi, puisqu'il va être exporté de mémoire. D'accord, qui va amplifier les capacités de production, j'imagine. Tout à fait, avec des aspects aussi de sûreté qui sont différentes. Ils ont des nouvelles technologies qui ont permis d'évoluer sur le rendement ou des choses comme ça, en fait. Ouais. Et donc, ça montre aussi l'aspect dans votre formation de l'évolution, de l'adaptation à l'évolution directement des technologies dans le nucléaire. Alors, on va revenir un peu sur la formation. La formation, elle est interdisciplinaire à partir du master. Donc vous avez quelle matière là, en M2, quelles matières sont enseignées pour avoir une idée un peu? Eh bien, on a beaucoup de sûreté nucléaire puisque ça reste quand même le cœur de notre formation. Et là, c'est assuré par des professionnels. Exactement. La formation, hein. Exactement. C'est des professionnels, donc des gens qui travaillent dans diverses entreprises, qui prennent du temps pour venir nous expliquer ce que c'est leur métier et nous apprendre, tout simplement. Après, on a aussi beaucoup d'environnement, qui est la deuxième thématique phare du master. Et on fait aussi pas mal de droit. Parce que... Oui, c'est ça, c'est interdisciplinaire. Il y a des sciences humaines et sociales autant que des sciences dures. Exactement. Et plein de matières différentes qui sont appliquées... au marché du travail dans le domaine du nucléaire. Beaucoup de domaines différents. Exactement. C'est... Récemment, par exemple, on a eu un cours de psychologie. Donc, on ne s'y attendait pas à l'avoir quand on s'est inscrit au master. Mais on en ressort grandi. Alors, psychologie de quoi? Psychologie environnementale? C'était ça. Psychologie environnementale, la perception des risques aussi. Parce que qui dit sûreté nucléaire dit étude des risques. Donc les risques nucléaires, on les connaît relativement, on les connaît bien. C'est des risques très peu probables, mais qui, lorsqu'ils surviennent, ont un impact colossal. Donc on doit aussi étudier la perception des risques, notamment du public. Et je pense que ce genre de cours, c'est vraiment un plus dans notre cursus pour mieux aborder nos futurs emplois. Ça, et puis après, on a aussi des cours sur la gestion de crise, justement, post-accident. Par exemple, avec la CLI de Marcoule, donc qui est la commission locale d'information associée au CEA Marcoule, qui sont venus justement nous faire cours pour nous expliquer leur démarche au niveau de l'aspect, justement, après l'accident, comment il s'est mis en place, les procédures, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très enrichissant, comme Nasser l'a souligné, avec un aspect qu'on ne pensait pas avoir, mais qui est très, très intéressant. Ouais, il y a un lien avec le grand public à avoir dès qu'on a une activité de ce type, avec l'environnement géographique aussi des centrales, toutes ces questions-là, qui font partie de votre formation et qui sont des passages obligés après dans les métiers du nucléaire, la relation avec le public, puisque c'est une thématique, enfin le nucléaire, c'est une thématique qui est aussi très controversée. Il y a beaucoup de conflits. Je crois qu'on a une interruption, oui. Non, tu peux refermer la porte, s'il te plaît. Désolée de cette interruption. Je pense qu'on avait mis une petite affiche sur la porte pour dire qu'on faisait un live, mais je pense qu'il y a eu un petit souci. Donc, pas de souci, on reprend le cours de l'émission. Alors là, ce que je vais vous demander, c'est de revenir de vous projeter sur l'année à venir. L'année 2024, fin 2024 et 2025, sur votre avenir professionnel, où vous vous voyez
où vous vous imaginez? Alors, on va commencer par Kevin. Alors moi, personnellement, je me vois au niveau d'ingénieur sûreté de fonctionnement état documentaire. Donc, je précise, état documentaire, c'est en fait un bureau d'ingénierie ou bureau d'études à travailler justement sur, par rapport à toutes les données d'entrée qu'on a état documentaire, faire une nouvelle mise à jour justement pour les centrales lors de leur visite décennale qui ont juste à regarder ces documents pour vérifier s'ils sont conformes aux réglementations ou pas. D'accord. Moi, c'est ça. Après, dans l'entreprise, je ne sais pas encore où vraiment je serais situé. Mais dans les différentes opportunités, ce serait plus celle-là que tu vis. Moi, ouais, c'est vraiment plutôt ça. Je voudrais vraiment continuer sur travailler sur les réacteurs en service et vraiment, pourquoi pas, plus tard, travailler sur les EPR. D'accord. Et donc, Océane ? Alors, moi, je ne sais pas encore. C'est... Pas de choix, de goût particulier pour un domaine, non ? Mais en fait, c'est qu'il y a vraiment plusieurs domaines qui m'attirent et j'ai pas encore fait mon choix. Donc soit comme Kevin, continuer à travailler sur les réacteurs en service, soit aller travailler plutôt au niveau de la gestion des déchets, donc avec les stockages profonds de matières radioactives, donc comme Cigéo par exemple, soit continuer en thèse. Donc j'ai pas encore pris le temps de faire un choix. Voilà. Très bien. Et Nassar ? Et du coup, moi, c'est pareil qu'Océane. Alors, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'ai l'entreprise où je suis en alternance qui me proposait de poursuivre en master spécialisé. J'aurais pu aussi directement à la fin du master poursuivre en CDI. Mais ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est, je pense, poursuivre sur une thèse en sciences de l'environnement. Et notamment, par exemple, le transfert des différents radionucléides dans l'environnement. Ça peut être quelque chose qui m'intéresserait. D'accord. Peut-être à l'université de Nîmes. Alors, peut-être. Et donc, une autre question par rapport à l'organisation de l'événement. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette organisation, Nasser ? Alors, déjà, c'est... Bon, ça a apporté du stress, forcément. Ça, on commence par les mauvais points, mais les bons points, c'est super formateur. Par exemple, c'est moi qui me charge du site internet du Forum RESNU. Donc, j'ai dû apprendre à développer un site web... Ça, j'étais vraiment même pas novice, j'avais aucune base dessus. Et c'est super formateur sur ce genre de choses. Ça nous donne aussi, ça nous inculque une rigueur. On est censé tous travailler ensemble, on a tous nos tâches. Si l'un de nous ne fait pas les tâches, c'est tout le groupe qui en pâtit. Oui. Donc on est tous interdépendants. Donc dans un domaine où la sûreté nucléaire, on est vraiment tous interdépendants aussi, c'est super, super instructif. Ça nous apporte aussi un réseau, il ne faut pas le nier. On contacte directement les entreprises, les RH, tout ça. Donc, on se fait remarquer et ça peut être positif, notamment pour notre recherche d'emploi. Et c'est surtout c'est ces points qui nous marquent le plus. On a aussi la gestion de projet. On n'en avait jamais vraiment fait. Là, c'est quand même un gros projet, surtout pour nous qui n'avons jamais fait. Donc, c'est formateur au niveau... professionnalisation du terme. Dans le chat sur l'orientation, on a Baptiste 8424 qui me dit Nasser est destiné à être prof. Voilà. C'est vrai que c'était... Ah, c'est une question. C'est vrai que quand j'étais au lycée, ça m'intéressait. Après, tous les profs de lycée nous disent d'éviter d'être prof. Mais je sais pas. Peut-être enseignant-chercheur ? Je sais pas. C'est... Pour l'instant, j'ai vraiment... D'année en année, je sais de personnaliser un peu ce qui m'intéresse, de voir ce qui m'intéresse et de me diriger dessus. On verra de quoi il fait demain. Ouais. Pour l'instant, j'essaie de profiter au maximum de ce que j'ai à apprendre, d'acquérir des compétences. Et puis, on verra plus tard où est-ce que je m'orienterai. Très bien. Et Océane, alors ? Par rapport du coup, à ce que m'a apporté le forum ? Ouais. Bah, je pense que Nasser a plus ou moins fait le tour. C'est vrai que c'est très formateur au niveau de la gestion de projet. Apprendre à gérer le temps et le stress avec des vrais deadlines. Parce que quand on est en cours, on peut toujours essayer de s'organiser pour repousser. C'est ça, repousser, finir les choses au dernier moment. C'est vrai que là, comme il y a des responsabilités, c'est pas possible. Il a fallu qu'on apprenne vraiment à préparer les choses à l'avance, anticiper ce qui pourrait mal se passer aussi. Mmh. Et ça nous a plus ou moins soudés aussi, travailler en équipe,
réussir à déléguer aussi et s'appuyer les uns sur les autres, parce que le projet est tellement énorme en fait que c'est pas possible qu'une personne gère tout. Donc on a dû définir qui faisait quoi et se faire confiance les uns les autres pour dire que ça avançait et voilà. C'est quelque chose à ajouter. Ah, mes collègues ont bien résumé un peu la situation du forum. Moi, après, personnellement, c'est vrai qu'au niveau de l'horizon du forum, moi, je suis responsable de la logistique, donc ce qui est énorme pour un événement, c'est très compliqué. J'ai également contacté les professionnels, je suis en relation avec eux quotidiennement. Donc c'est, tous les jours, on reçoit des mails d'entreprise parce qu'ils ont des questionnements de dernière minute. On a des questions avec les conférenciers, énormément de réunions avec eux également sur les conférences, sur qu'est-ce qu'ils peuvent amener, comment ils peuvent développer leurs conférences. Et après, également, avec le jury du poster, c'est vraiment... Ça prend beaucoup de temps d'organiser. Surtout le côté où moi je suis, je dénigre pas le travail de mes collègues, hein, je précise. Mais c'est vrai que tout ce qui est contact entreprise, c'est énormément de travail. Oui. Par exemple, là, dans la semaine, ça devait être mardi ou mercredi, de mémoire, j'ai tourné à 100-150 mails d'entreprise pour le job dating. Donc c'est énormément de boulot, Et c'est pour ça qu'on délègue énormément. Il y a des choses, des moments. Là, je ne pouvais pas générer personnellement tous les mails. Donc, j'avais une collègue qui n'est pas présente là, qui a pu m'aider à gérer tout cela. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais vous êtes 6 à organiser le forum. On peut dire le nom des 3 autres personnes qui sont pas là, qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Mais c'est, Donc, il y a Magali Carcillo-Lacoste, il y a Colin Isnard et Antoine Sévenier. Très bien. On a l'équipe des 6. Dans le chat, on a Cochenou qui nous dit bien joué Océane pour l'organisation du forum et de porter le projet. Bien joué Océane. Je suis pas seule à porter le projet non plus. Après, moi, je m'occupais plutôt. J'essayais de coordonner au maximum les choses. Après, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile et que. Bon, y a eu des hauts et des bas aussi, on peut le dire. C'est vrai que vous, au niveau du contact entreprise, vous êtes débrouillé un peu en autonomie. Moi, j'ai plus supervisé, on va dire, le côté mise en place des activités, communication, un petit peu ce genre de choses. Mais, Et puis, il faut préciser qu'en même temps, vous avez les cours, les contrôles, tout ça. L'entreprise également, parce qu'on a un rythme d'alternance qui est de 4 semaines, donc, qui est assez particulier. Et vraiment, quand on est en entreprise, on n'a pas forcément le temps. Moi, personnellement, avec les projets que je travaille, j'ai des deadlines serrées par moment et je ne pouvais pas forcément m'occuper du forum. Donc... C'est un peu les contraintes qu'on a. Ouais, très bien, c'est une expérience très riche et très active. Tout à fait, c'est ça. Alors, on a une question dans le chat, du coup, Zeko, je crois que vous y avez répondu, mais il demande, vous êtes combien à préparer ce projet ? PS, Nasser, t'es trop beau. Arrête. Bon, on a répondu à la question. Alors, on va revenir sur le programme du forum. On va terminer cette émission en parlant de donc, cette 10e édition du forum RESNUC. Je vais Nasser, si tu veux nous rappeler un peu le programme. Donc on rappelle que tout est ouvert au grand public. Hein. Donc peut-être on va parler du programme. Donc le 6, c'est la grande conférence d'ouverture. C'est ça. On passe au 7. Le 7. Allez, le 7. Du coup, le forum ouvre à 13h30. Ça commencera par une présentation des posters des étudiants. Donc les master 1 et master 2 qui ont fait des posters scientifiques. La thématique, c'était innovation dans le domaine du nucléaire. Donc, ils présenteront différentes innovations dans ce domaine-là. Donc là, c'est à Hoche, hein, c'est sur c'est le site Hoche. C'est ça, sur le site Hoche, ça le 200 et 202. Très bien. Ensuite, en même temps, on aura des activités qui seront organisées du coup pour le public. Donc, il y aura un escape game qu'on a créé exprès pour le forum. Il y aura aussi un sas nucléaire. Donc là, c'est essayer de faire découvrir au public les précautions qui sont mises en place dans le nucléaire, notamment les différentes tenues qui peuvent être portées, les différents équipements de protection individuelle, donc les EPI. Et puis le SAS, donc comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il est fait. Ça se fait notamment en partenariat avec la licence 3D. Donc c'est une licence qui est aussi faite par l'Université de Nîmes. Donc 3D, c'est Technique du démantèlement des déchets et des amiantages. Donc ça, c'est nos collègues de la licence qui nous aideront à faire le SAS, parce qu'ils sont un peu experts dans ça par rapport à nous. Le soir, donc, on a la remise des prix. Donc les différents jurys vont juger les différents passages de poster des étudiants. Et donc on aura la remise des meilleurs prix à 17h30. À 18h, on commencera avec les conférences et table ronde.
Donc on aura pour cette soirée, ce sera surtout les nouveaux réacteurs. Donc on aura le réacteur à fusion ITER qui est dans le sud de la France, pas loin de Marseille. Mm-hmm. Donc c'est un réacteur à visée internationale qui cherche à l'étude de la réaction de fusion nucléaire. Donc en ce moment, c'est la fission qui est utilisée dans toutes les centrales nucléaires du monde. Mais le but, c'est d'arriver à faire de la fusion qui est bien moins émettrice de déchets radioactifs et qui va produire immensément plus d'énergie à matière égale. D'accord. Donc ça, c'est encore à l'étude, c'est encore de la recherche. On sait qu'avant 2050, on ne pourra pas produire de l'énergie pour de la consommation avant 2050 avec cette technologie. Ils sont encore en recherche. On a aussi donc les premières générations d'EPR1 et d'EPR2 qui seront présentées dans des conférences. Donc EPR, c'est European, mon accent, European Pressurized Reactor. Donc les réacteurs pressurisés européens. Okay. Donc là, ça sera présenté par M. Delaunay et M. Devez, qui vont nous présenter notamment l'évolution des EPR, l'avantage que ça a à niveau sûreté, pourquoi est-ce que ça a été créé, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur les réacteurs classiques, et du coup la différence entre EPR1 et EPR2 aussi, parce que l'EPR2 tient en compte le retour d'expérience d'un EPR1 qui avait été fait dans les pays baltiques, je ne sais plus si c'est pas la Norvège ou la Suède. Et puis voilà, ensuite on passe sur le jeudi 8. Ouais. Donc le jeudi 8, on a l'IRSN qui va faire venir leur moyen mobile d'intervention. Donc ça sera deux camions qui seront sur le parking. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore où on va les positionner, mais ça sera sur Roche. Donc ça sera un camion qui présentera des dispositifs de mesure de radioactivité dans l'environnement. Et un autre camion qui présentera un dispositif de mesure de dose absorbée par les travailleurs. Donc ça, c'est d'accord, vraiment des moyens de gestion de crise développés par l'IRSN. Le matin, on aura une conférence d'une association du nucléaire. Donc, c'était aussi un but de montrer que le nucléaire, ce n'était pas que les entreprises qui géraient tout. On a énormément d'associations, de syndicats, comme toute industrie, en fait. Donc, on présentera une de ces associations. Les usagers, pour représenter les usagers. Ouais, c'est ça, les usagers, les travailleurs. On a, du coup, l'activité, le SAS qui reviennent. Et l'après-midi, ça sera pour les étudiants. Principalement, c'est un échange avec les anciens étudiants du master. D'accord. Qui seront présents ce jour-là et qui, par exemple, nous présenteront l'insertion, comment ça se passe, quels sont les avantages qu'on retire notre master pour le monde professionnel. Ensuite, on aura un échange avec Madame Bourri, qui est du CHU de Nîmes, et ça nous présentera notamment la radioactivité, plutôt la radioprotection dans l'hôpital. Donc, comme elle l'avait dit au Océane, comme elle l'avait dit tout à l'heure au Océane, la radioactivité, elle est utilisée pour l'imagerie, aussi pour la médecine, pour le traitement des cancers ou d'autres maladies. Donc c'est vraiment un point important dans la médecine et ça nous sera présenté ce jour-là. Puis on revient encore avec des activités, donc Escape Game et SAS qui reviennent ponctuellement durant les deux jours. Vous le verrez sur le planning qui est dispo d'ailleurs sur le site. Il ne faut pas hésiter à aller voir le site. Forum-resnuc.fr. Voilà. Je vais essayer de mettre aussi les posters ce week-end parce que pour l'instant, c'est les posters de l'année dernière qui sont visibles et... Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui m'occupe du site et ça a été un peu difficile de comprendre comment mettre les posters sur le site. J'ai compris. Donc ce week-end, je donc on pourra regarder. On pourra regarder à partir de la semaine prochaine. On pourra regarder. Je pense même peut-être dès demain. D'accord. Dès demain, je mettrai les posters pour que vous puissiez avoir un avant-goût avant la présentation des étudiants qui aura lieu du coup jeudi. Très bien. Et on finira avec deux conférences. Donc ça sera une conférence de Monsieur Mangeon qui est sur l'histoire de la sûreté nucléaire. Donc c'est un historien et il nous présentera l'évolution de la sûreté en France, l'évolution du droit de la sûreté, l'évolution de la perception. Et ensuite, on aura une conférence de M. Bachelry qui sera sur le leadership au cœur de la sûreté nucléaire. Donc notamment sur les risques, sur les impacts que ça aura, sur la filière nucléaire qui est d'ailleurs, le nucléaire en France, c'est je crois la deuxième plus grosse industrie, ou la troisième. Donc c'est vraiment quelque chose de grand. On n'en entend pas souvent parler quand on est dans le public. Ouais. On n'en entend souvent parler que par les médias. Ouais. Mais c'est quand même une très grosse industrie en France et on peut en être fier. Très bien, merci. Donc c'est un enjeu industriel, économique, à connaître, à découvrir. Ouais. Pour le grand public, ça peut être intéressant de se familiariser avec toutes ces questions-là. Donc on rappelle encore que c'est ouvert à tout le monde, au grand public, aux professionnels. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va venir découvrir tout ça. C'est dans le chat, Cochenou nous dit qu'il faut impérativement découvrir le forum Resnuc, qu'il y a tellement d'activités, tout ça avec un budget restreint, très restreint. D'accord.
D'accord, il y a un message. Mais venez, donc venez tous nombreux et toutes découvrir toutes ces activités, les conférences et puis apprendre plein de choses. Merci à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite un bon forum avec plein de monde. Merci. Merci à vous, Samantha. Merci à Tom. Voilà. Et donc, je vous dis, on se voit la semaine prochaine au forum. À bientôt. À bientôt la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.